Si la question est comment vivre heureux sur cette planète, allez voir ailleurs, je ne peux pas dire mieux, je ne suis pas prophète. Je dis simplement, je le vois souvent, un état de fait. Pense une coïncidence pour contrer nos pertes. Une marge de manœuvre, un contexte à l'œuvre, une idée qui empiète. Sur nos bouts de chagrin, sur nos bouts de jardin et peut-être quelques miettes. Attirons les oiseaux, ceux des idéaux qui sonneront la fête. Nous ferons tenir sans nous dépérir pour sonner l'alerte. Chacun pense ce qu'il veut, tout le monde veut ce qu'il pense, chacune son assiette. Ma question se veut, faut-il de la chance pour le morceau de galette? Je ne crois pas en Dieu, la nature, l'évidence, et je n'ai qu'une seule quête. Comment faire au mieux, stopper l'insolence, ceux qui nous maltraitent? Rien de subjectif, si la mort ne l'est pas dans cette chansonnette. Il y a les chétifs et il y a ceux qui ont des tas de carnets de chèques. Et par empirisme ou bien par logique, les intérêts sont certes bien antinomiques, et par la pratique, faisons que ça s'arrête. Je ne parle pas d'aller de ce pas, en couper des têtes, mais en s'unissant, en allant de l'avant et changer la cassette. Pour couper court et se sans détour nos fils de marionnettes. Et peut-être un jour nous ne serons plus sourds, ni Dieu ni maître.